petit gecko, José, il est là. Au début, il est sur une branche. Ils ont de grands projets. Raconter une histoire ensemble. Cela fait 12 ans que Catherine sillonne les hôpitaux de France. En quelques ateliers, elle guide enfants et adolescents malades dans la réalisation d'un dessin animé, une parenthèse enchantée dans un quotidien rythmé par les soins. Nature animée, les dessins animés créés par les enfants hospitalisés. Les enfants qui sont hospitalisés, même souvent longtemps, n'ont pas tellement de sorties, donc ils perdent un peu confiance en eux. Et le fait d'aller jusqu'au bout et de voir que, même si on n'est pas très doué en peinture, ça va donner quelque chose avec les autres enfants dans le groupe, c'est hyper valorisant. Les dessins sont supervisés par Caroline, la plasticienne de l'association. Les enfants viennent au gré de leur envie et de leur forme du jour. Du haut de ses 3 ans, Célia s'occupe de planter le décor de l'histoire. Celui-là, qui c'est qui l'a peint? C'est moi. Alors là, tu commences par le... Et celui-là? C'est moi. Tu aimes bien ça, faire de la peinture? Ouais, c'est trop génial. Entre 2 chimiothérapies ou transfusions, l'atelier permet aux jeunes de se rencontrer, d'occuper un temps souvent trop long et d'accepter plus facilement les soins. Je suis arrivée la semaine dernière et je suis là pour à peu près 1 an. Ça permet d'oublier un peu le contexte. Dès lors que des enfants vont pouvoir avoir des activités comme celle-là, ils vont déjà être plus calmes, ils vont être moins anxieux, parce que si vous êtes dans un lit et que vous attendez votre traitement, ben évidemment, c'est pas très gai. Par rapport à la douleur, ça a été vraiment montré, ça, par le biais des émotions, vous baissez la perception de la douleur. Des professionnels animent ensuite les dessins des enfants. Sans l'apport financier de mécènes, ce projet ne pourrait pas exister.